Voilà, tu regardes, tu centres ici. Ah oui, je te fais un zoom. Reste en haut. Hé hey, papa, assure. Hein? Assure. Oui, papa, assure. Gagne l'argent. Il y a des motos, mais... Avant, il avait peur quand il y a des motos. Voilà, on va même juste un petit classique pour se démarrer dans la fin. C'est pas rien, c'est de longues heures de préparation et d'entraînement pour nous faire toutes ces figures. Alors venez nous rejoindre, nous sommes à l'arrière. Vas-y papa ! De boutique. Alors rien de l'arrête, palais, voiture, quai en béton. Ça passe. Ou alors la voiture casse. Voilà comment démonter une voiture, c'est tout simple. Vous lui confiez, il va démonter. Franchissement à l'obstacle. Nous trouvons à l'extérieur donc, du dôme, sur la scène extérieure, pour franchir l'obstacle en triangle. Alors venez nous rejoindre. Vas-y papa. Putain génial. Attends les gosses, on va visiter ça. Ah. Petit problème technique. Les Naïla du métier, on peut l'applaudir très fort quand même. Alors effectivement, c'est très physique. Et que là, il a découvert le circuit, donc effectivement, pour lui, c'était pas évident. Mais je pense que tout au long de la journée, ça devrait être de plus en plus performant. Alors, on peut toujours l'applaudir grand fort. Ouais, papa ! Voilà, donc il découvre également donc, le support de pâte. C'est vrai que monter sur une scène en deux roues, c'est pas évident en passant par le bord. La voiture, il la découvre également. La découverte n'est pas forcément... Voilà quelques belles passes. Alors nous trouvons à l'arrière du haut pour les gens qui viennent d'arriver. Donc nous remercions également le partenaire de Dominique Sonio, de Nissen, Cédric. Et Picard, le spécialiste du scooter électrique de 50 cm cube à 125. Putain, super! T'as fait des vénères! Ah, effectivement, c'est un petit spectaculaire. Voilà, on a applaudi très fort et on remercie! Ah donc, la société des Picard également se trouve à l'arrière du dôme. Avec ses scooters électriques. Également la trace verte de spécialistes des randonnées en vélo. Le 5 à 100 personnes, donc, pour faire une organisation de randonnée à vélo dans tout
coup 7h de la glace.